Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Aspiration et d'arriver soi-même. Et donc on va faire une petite limonade. Donc j'ai un peu de... avec du melon. Donc j'ai un melon blanc, un melon normal, le melon orange, un peu de citron vert. Puis j'ai un peu de, d'eau gazeuse avec. Donc ça j'ai déjà préparé dans mon... dans ma petite pichet rose. Et puis j'ai déjà un super cool, un petit verre super cool en forme d'ananas avec une superbe fleur. Ensuite, il a besoin d'un petit, d'un petit torchon, une petite serviette propre. Alors, parce qu'il va falloir broyer un petit peu les fruits. Donc une bonne partie des fruits que j'ai, on va les mettre dans le récipient. Voilà donc ce que l'on obtient dans notre préparation. On va mettre ça ici dans notre torchon. Et vous avez vu, ça va faire filtre en fait. Donc du coup, on a toute la... voilà, tout le jus qui est passé à travers. Et puis, voilà, on a les restes, du coup, les restes de melon qui sont restés dans le torchon. Donc, c'est vraiment bien. Comme ça, on a un jus filtré. Donc, ça, ça va de côté. Et on refroidit tout ça. Donc, une fois que tout est bien refroidi, tout est frais. Ok. Je mets quelques, on met quelques glaçons, on met des morceaux de melon aussi avec. Ensuite, là, à peu près la moitié du jus que l'on a obtenu. On peut bien sûr varier suivant les goûts. Et un peu d'eau minérale. Gazeuse, on remet le couvercle. Et c'est terminé. Alors je vous montre comment, de quoi faire une super petite recette avec du thé glacé à la framboise, avec un peu de menthe. Du coup, bah là j'ai mis 3 sachets ici. Après à peu près on a mis à peu près voilà, 60 centilitres, 75 centilitres d'eau. Et puis voilà, on a mis nos différents sachets de thé, puis maintenant on va laisser refroidir. J'ai des feuilles de menthe, des framboises fraîches aussi, donc elles ont été un peu congelées, donc elles sont bien fraîches. On peut mettre un petit peu de sucre pour rendre ça un peu plus sucré, bien sûr. Et de la glace. Voilà, donc très intéressant parce que comme ça tout est bien frais. Donc on peut mettre déjà quelques bouts de quelques morceaux de glaçons à l'intérieur. Ensuite, voilà, quelques framboises glacées. Voilà, donc je prends de la menthe fraîche, donc juste quelques petites feuilles. Et maintenant, on met notre thé. On remue et notre thé glacé est terminé. Donc je trouve ça vraiment super cool. Donc notre prochaine boisson d'été. Alors regardez. Donc on a un petit smoothie, donc quelques ingrédients. Donc on a des bouts de mangue, à peu près 100 grammes, à peu près 50 grammes de fraises, un peu d'orange, de jus d'orange. 150 ml de la glace à la fraise. Et en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre 2 boules de glace dans le verre. La première est un petit peu petite, donc je vais en mettre un peu plus, hein. Voilà. Donc ça on va mettre de côté. Je mets la paille dedans.
gratuit. Donc je prépare la suite. Donc j'ajoute mon jus d'orange. Et après, on va tout mixer. Ensuite, donc le mélange terminé, je mets par-dessus la glace. Et quand votre verre n'est pas tout à fait plein, on peut encore mettre, comme moi, on peut encore mettre une boule de glace à la fraise. Et voilà, c'est terminé maintenant. Autre boisson super chouette, comme un petit cocktail, mais sans alcool. Alors, on a besoin de glaçons, de myrtilles. Je les ai bien congelées, comme ça, elles sont bien fraîches. On a du ginger ale, donc c'est voilà, du chouette à gingembre. Et puis des citrons verts. Donc on met tous nos bouts de citron à l'intérieur du glace, du verre. Qu'on met dans la glace après. Donc je vais mettre quelques myrtilles, mais pas tout. Voilà, je vais en garder de côté, ça pourra toujours servir pour plus tard ou pour décorer. Donc on va appuyer. Hein. Vous voyez donc tout ce color un petit peu en violet. Ensuite, la glace arrive. Oh, voilà, cette fois-ci, c'est bon. Après, si vous voulez quelque chose de plus sucré, vous pouvez mettre un peu de sucre, rajouter un petit peu de sucre, hein, si vous voulez, du sucre brun ou du sucre blanc. Hein. C'est comme, c'est selon vos goûts, comme vous le souhaitez. Alors, encore un petit glaçon. Et un peu de ginger ale. Et voilà. Après, on peut rajouter encore quelques myrtilles sur le dessus. On mélange un peu avec la paille. Et c'est terminé pour ce. Et maintenant, on va faire un petit ice slushy. Vous avez peut-être vu ça au cinéma. Voilà, les petites boissons glacées. Donc, c'est vraiment quelque chose qui doit toujours être remué. Enfin, c'est assez compliqué comme préparation. Ok, donc, comment on fait ça? Donc, ce qu'on a besoin, c'est on a besoin d'une. Voilà, un peu de limon. Limonade. Là, vous pouvez prendre après du coca, du fanta, quelque chose avec plein de sucre. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui est important. Hein. Faut que ça fasse après des blocs de glace. Ok. Donc. Voilà, donc c'est parti. Donc après, on met ça donc, dans un verre. Et on verra à la fin. Ouais, donc ça, on l'a mis déjà au congélateur. Hein, donc c'est un peu, c'est déjà un petit peu congelé, un peu. Voilà, on voit quelques glaçons. Mais c'est pas tout à fait, ce n'est pas encore tout à fait congelé. Donc voilà, on va déjà mettre tout le liquide dans un verre et le reste avec la glace dans l'autre. Et là, c'est vraiment d'une super slushy ice. On a des cristaux de glace, de sucre, donc super pour l'été. Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez surtout pas à laisser des commentaires, si vous avez des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Comme ça, vous ne manquerez plus aucune vidéo. Et ma vidéo si vous a plu. Et puis on se dit à très vite. Salut! À très vite!